William Ruto, président pays Kenya, que nous te ouais, qui te débarqué dans la coupe pays d'Haïti dernièrement là, et qui responsable force multinationale ça. Eh bien, nous jeunes pile haïtien, écris nous hier et voyez un tweet pour nous. Pour dire nous bientôt garder ça. L'homme de qui ça bagalaye, yo dit que Luis Abinadel, président de la République Dominicaine, voisin nous. Président William Ruto annonce que président dominicain, qui c'est Luis Abinadel, pral voye des militaires dans force multinationale en Haïti. Je dis comment? Tout le monde a dit garder, informer plus, garder ce tweet là authentique, mais c'est ça qui a fait parler de lui sur tous les réseaux sociaux. Tout haïtien a parlé de lui. Tout blogueur sur Instagram yo a posté. Me dit bon ma chèche comprenne. Dans un premier temps, me te gen information là que Ariel te fait demande pour force multinationale ça en 2022, si m'a trop mais c'était octobre. Et puis on te dit clairement, Ariel Henry Fon Veil, pour nous qui connexion que M. Gagné avec président voisin, qui c'est Luis Abinadel. Parce que pas oublier, moun qui t'a marché tout partout, dans tout petit pays dans le Caraïbes, parle avec toute autorité dans le Caraïbes, pour yo constituer une véritable force pour voir une force multinationale dans le pays d'Haïti, c'était Luis Abinadel. Je veux faire comme ça. Ce n'est pas Ariel dans le premier temps, mais c'est Abinadel. Tout de suite après l'assassinat du président Jovenel, Abinadel a fait campagne, marché tout côté, l'a brûlé, force multinationale. Et puis quelques temps après, moi qui me prends jeune Abinadel, dans le même espace, a parlé même parole, l'homme dit nous, on croise même Kafou Bab Boubab, a parlé même parole, avec les assassins de Jovenel Moïse, qui est soyez, oligarque corrompu, qui finançait l'assassinat du président Jovenel. Oligarque qui a besoin, il y a une force multinationale. Et puis par la suite, comme oligarque là, qui assassine le président Jovenel Moïse là, c'est toujours l'État qui a utilisé pour faire passer ça, il a besoin de passer un, gérer ça, il a besoin de gérer un, et bien il a utilisé le gouvernement pays d'Haïti, que il a te financé pour te mettre sous pied, le gouvernement Ariel là. C'est gardez-moi, dans toute radio, André Michel a fait la navette, la parlant seule parole, côté qu'il a dit que, pape jamais gagner la paix, pas jamais kage sécurité, pas jamais gagner élection dans le pays, si que nous avons une force multinationale. Je dis, ah, eh bien, monsieur, je ne suis pas de moi, c'est un Fobeto. Nous avons environ 3 ans depuis que nous avons fait ça. Avant de faire ça, nous avons compris la réalité. Nous avons égaré. Nous avons côté la sortie. Tout le monde, c'est un seul monde. Je dis en vérité à parler. En septembre 2023, nous mettons main dans le canal. Alors, construit canal. Dans le département nord-est là, Abinadel paniqué. Rapide, vite, il demande pour le faire retrait des troupes liées. Alors, il demande pour que il ferme et tout espace commercial avec Haïti, ni diplomatique. Et puis, Abinadel demande pour fermer frontières terrestres, maritimes, aériennes, tout espace commercial, tous les trois voies. Et puis, il dit que il ferme jusqu'à nouvel ordre. Il ferme le que, là pour ouvrir le que nous décidons pour que nous campions sous construction canal sur le massacre. Là. Il dit, oui. Gardons Gabel, M. Banou. Il dit, gardons cadeau, M. Fenou. Je dis, gardons pire, M. Banou. Ça veut dire, monsieur, tout bonne possibilité là pour nous mettre tête ensemble. Monsieur, pourquoi j'aime contre ça, haïtien? C'est gardez-moi, haïtien. Tout partout, à travers le monde, à parler seule parole. Kapika. Canal lan, pap campé. Il m'a dit, tout fremsem, qui remet, plateforme YouTube, Infobeto. An nous pas fait pays à honte. En nous mettre maintenant patte là
en tant que la grande famille Infoberto. On fait tout ça qu'on capable pour nous priger, pour nous sacrifier, pour nous bailler ça que nous cabaille pour nous aider construire canal sous rivière massacre là. Zami mio, tu te mette bien en patte là. Nous pas trop. Tu te sacrifié yo effectivement pour que nous te capable river construit. Il était contribué pour nous capable river construit canal sous rivière massacre là. Toute l'autre plateforme te contribué tout haïtien qui pas attendre Infoberto qui t'en tout monde net te mette main en patte là pour que naturellement yo t'ai aidé pays à lever défi ça. Nous pral parler qui change jodi a qui c'est 25 septembre 2024. Après que mal pour honte sans honte ça yo qui relait tête yo politicien crème de la crème classe politique même Jean média traditionnel bec fait qu'on a dit c'est classe politique là qui met tête yo ensemble en dedans conseil pour que yo capable prendre pouvoir qu'on a tendel sur radio et télévision Caraïbe crème de la crème c'est la classe politique qu'on a tendé Jean Guerrier du seul Johnny Ferdinand a fait promotion pour qu'on lève cette traite on content d'elle et puis moi c'est même yo même là encore je dis qui gon position cap critiquer yo même poser une question m'te dit avec ni Guerrier ni Johnny monsieur nous c'est deux jeunes garçons nous connaît les gars déjà pas rien que y a réglé nous connaît classe politique là déjà pas rien que y a réglé son équipe volé que yo mais nous fait promotion pour yo pour toute malpropre yo vinn là après ça deux merci de vie c'est nous encore qui va le proposer une critique on a dit n'a questionné yo pendant que nous connaît c'est que ça que yo et c'est qu'on y a mine comprendre effectivement radio dans pays d'Haïti journaliste dans pays d'Haïti yo c'est exactement élément système nan yo travail conscient ou inconsciemment t'as bien oui yo travail conscient ou inconsciemment gagne volontairement yo décide mettre yo au service système nan gagne inconsciemment média que a travail là li gon ligne c'est travail la travail pour système nan inconsciemment la travail pour système nan tant que professionnel li même puis devant pour comprendre que système ça besoin support directement et ben lui même il vient positionnel comme élément système là pardon le ça la prend l'argent directement dans système là dans même système là parce que li censé fait si l'argent ni jeune petit corps pour fonctionner gérer famille avec l'argent système là mais le système là estimé que son bon jouet yo deal avec directement non seulement média que l'a travaillé c'est tout le système là mais lui même tout comme journaliste qui dans média propriétaire système là vin gon on brasque bali par en bali même ça veut dire la fête de cob. Mais cob, mais système de valiance, c'est le gros cob là. Le sanek sa vin piravette que ravette. De fait, m'a dit pays m'nan. M'a dit tout compatriote m'a captain de m'la. Jodi ya. Si nous besoin changer Haïti. Si nous besoin propre pays ça. Ba pays en route li. Pour nous pas j'aime que sans avè politique. Mal pour autre politique. Gang politique. Voyou politique. Sanguiné politique. Bouze politique. Ma si c'est politique, désolé. Parce que tout la dedans parce que sinon, ça que le tichin nan, andal te pourri dernièrement là. C'est pas la Dominicaine, andal la pourri net. Fait li ta pété. Parce que dans toute jeunesse li, fait tout le temps la brasse bagay, comme si m'a dit, nan espace côté qui pas la de fait pour ça. Mais le fin grand moun, ba la gepe, alors répercussion andal li, ba koné, andal man ki pourri. Sinon, ça que le tichin nan, représente la valas nan bagay lan. Et puis m'a dit nous que, pour nous pas jamais gagner groupe de moun sa yo k'a fait politique en dans pays hein? Il faut que nous connaît qui média k'a véhiculer information sur moun qui est média k'a vendre nous c'est des leaders on c'est des faux leaders qui est média qui est là li important et c'est une bagarre que nous doit mettre focus nous sur lui.
et m'intéresser à mettre focus moins sur lui. Dans sens ça, m'a dit non que responsabilité pas moi-même moi prendre. On va pas le compte jouer pièce média bla bla bla, mais sauf que ça qui est important. Si je dis capable arriver là avec monsieur qu'on lève cette traite yo, moi dis à 70% radio et télévision Caraïbe de Patrick Moussignac ou contribuer à 70%. Période. Nous te connaît que malpropre pas venir rien. Mais nous te dit c'est crème. Moi nous que toute émission nous la net. Pendant que moi nous en pile. Entendez-nous, nous c'est fanatique nous. Mais par conséquent, nous te voit qui côté n'a pas aller. Et c'est consale toujours fait. Gary Pierre-Paul Chalvini, il fait promotion pour Intel. Après ça, demain, si tu veux, c'est lui qui fait analyse sur Intel pour le critiquer Intel, pour le gouvernement, il se contrer avec ça, Intel te pense, ou Intel dessus nous. Pendant qu'on connaît le comportement, c'est comme ça que vous avez. Moun moi qui vient pour disposition, pour dire qu'elle pas dans faire interview avec même moun encore, parce qu'elle voit que pas gagné qui a bail, c'est Valérie Lima. Ça que fait Valérie Lima fait. Valérie Lima décide lui-même, la prête dans le business li, li pas pral nan kole bouda avec nèg, n'importe quoi encore. Pour ne pas venir offrir l'agence ceci là parce que lui même lui décide li mais en pile là yo qui cause de comme ça yo vivent de système dans tout côté Eugène Cob qui ça a fait média ou l'agent journaliste comme Cob et 15000 pièces oui elle a 25000 pièces oui pour plus qu'on y a yo ka paye 40000 pièces il va payer un journaliste 1000 dollars américains dans pays d'Haïti non côté Eugène Cob pour vivre ça veut dire qu'ils nous vivent de système non. Si nous vivons de système, non. Défaite nous là pour nous protéger le système, non. Le système affaibli. C'est nous qui avons micro pour nous aider le système dans le capé sous des pieds. Mais c'est exactement ça que nous avons fait à partir de mars pour arriver avril 2024. Moi, well, et m'tende de m'comprendre. Moi, comment c'est comme ça, je dis pour me dire que si je dis, capable de toute qualité de problème, ça, je vais regarder pour moi tout le monde qui a critiqué Gary Koni. Je vais regarder pour moi tout le monde qui a critiqué Koulev cette traite. Qui est-ce? C'est même monde qui a fait promotion pour yo. Je regarde pour moi, je dis qui est-ce qui campe bon côté et qui lève cette traite, comment il est 7 présidents ou bien 9 présidents, qui a critiqué Gary Koni, qui m'a dit faut que tu as révoqué, et comment elle est, et jeune dame, nan, comment elle s'appelle encore, et Dominique, madame Dominique. Qu'est-ce qu'a demandé pour évoquer? C'est même monde qui t'a aidé pour que yo arrive là. Je dis, moi-même, comme si ça dérangeait, comme si m'dadjou, pour moi, je vais même pas avec moun sa yo. De fait, comment café campé? M'a le campé nos positions net. Révoqué Gary Koni, révoqué Dominique comme chef diplomatie. Et puis pour dire comme ça que vous pouvez quitter Koulev cette traite, m'a jamais de position même avec nek sa ou qui tape vendre nous CP comme bon monde, comme crème politique, comme crème de la crème, comme ceci, comme cela. Li oblige yon tabou la raza. Mon si t'as pour rete. Tenez bien, oui. Si m'da vle mette m'en position comme si m'da d'un tagon bagay que, ou oui, tagon bagay qui pourrait être, plus, ou comme si ou plus te ka ouè que, salop sali ou le gars Koni te ka arrêté, au lieu de 9 volets, 9 vicieux, ou bien 7 volets, 7 vicieux. Parce que m'a kade pour moi, nan ki niveau que, ou représentant la vala sa sans honte, monsieur bagayne, monsieur sans honte, monsieur sans sentiment, monsieur sans vergogne. Pour m'a kade pour moi, salop sali sa comme si, c'est à la mitan moun carrément chercher moyen audacieux on sak pi grave là d'ailleurs tout ça qu'a fait là tout c'est Aristide qu'a fait vous voulez comprendre ça ou pas de invitation officielle pour aller participer dans l'assemblée générale des Nations Unies dans New York ou pas de invitation officielle mais ou prend un libre avion nan men yon président qui sorti dans pays Kenya qui vient en Haïti ou mande yon libre avion privé ou fait équipe parle national connaît que c'est nos activités personnelles qu'on pour aller famille. Et puis, l'arrivée à New York, rapide, vite, la valasse commence à faire contact pour vous. Et puis, yo edo ou rive joine, secrétaire général des Nations Unies, contact fait, ou dit que, ou al fait tripotay, pour dire que, président conseil, la pape là, li pape vini, c'est ou même qui a représenté. Et de fait, ou fait tout passer comme président d'Haïti. Son coup, intelligent, vicié, mais j'en pas trop qu'on dit, ou intelligent, si volo. En avance, ou fait tout ça, yo coupe mi kon en bouche. Dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Yo coupe micro. Parole comme si ou a parlé, ou pas même connaît que tu te minute tu te baou, yo coupe micro dans bouche. Ça fait mal. Et de fait,
ou prend la parole pour commencer vous dire comme ça que ou prend la parole en tant que président de la République d'Haïti ça dit que côté me sorti là et puis yo coupé micro dans bouche parce que sans principe ça dérangeait et puis par la suite gen une réunion qui planifiait avec président gros président hein monde qui gen caractère président Lula président Brésil là gon réunion que monsieur mandé c'est lui qui mandé Gary Conil selon information bon si Gary Conil mandé tout pas un problème gon réunion qui était planifié c'est premier ministre Haïti alors représentant Haïti Gary Conil avec ministre affaires étrangères ou apprendre ça seulement ou de persuader fok wal nan réunion. Pendant que non pas enregistré. Et ou vle faire ou passer comme président. Pendant que non pas enregistré comme président. Le ou y vendan, comme directeur général télévision nationale nan, qui se Gamal Augustin, il comme yo kono ou soit disant nan conseil volé ya, nan bagay mal fait nan, nan bagay illégal nan, et son honte pour la nation haïtienne. Kote Guy Philippe, monsieur. Kote commandant Guy Philippe, monsieur. Kote de blozay non pays, monsieur. C'est meilleure occasion pour que peuple ça dit que c'en est assez. Abraham dit c'est assez. Nous pas arriver plus loin. C'est fini. C'est meilleur moment pour que peuple dit c'est fini. Nous stop. Nous pas arriver plus loin. OK? C'est meilleur moment pour que peuple dit que Abraham dit c'est assez. C'en est assez. Période. Stop tout bagaille parce que il n'est pas logique. Pour monsieur pour aller rentrer dans réunion côté président brésilien, il pas connon. Ou a dit que oh oui, moi c'est président d'Haïti. Tenez bien oui, pour nèg a dit moi c'est président de la République d'Haïti. C'est où capable dit moun que ou c'est président de la République d'Haïti. Et c'est malhonnête. Qu'on a là c'est sur Google pour y aller Google pour y voir que oh oui, lui c'est président d'Haïti. Mais qu'on y a là responsable protocole et chef sécurité président Lula les dit comme ça que mais non c'est neuf moun mwen wè là son président que moi même connais li Edgar Leblanc fils c'est nous qui enregistré on pas comprendre comme si yo dit oui mais c'est président gon conseil comme si gon justification gon prouver à prouver que oh oui c'est président son route pour la nation haïtienne kade ki côté nèg yo mené pays a ça que fait journaliste qui t'a vendre nous crème de la crème nan média haïtien qui t'a vendre nous groupe malpropre ça yo. Ça que fait nous pas goumer pour te dire comme ça que exigiblement faut que nous gagnions grain de monde. Faut que nous gagnions grain de monde. Pour tout monde obligé camper, que nous fait tout à l'unanimité tout secteur pas d'accord. Mais sauf que nous dit faut que nous choisissons grain de monde. Mais nous mettons neuf monde qui représente pays hein. Pendant que haïtien t'a crié mouy tout côté, ba Guy Philippe. Nous tout ravette qui doit pas traîner Guy Philippe. Mais faut nous dire monsieur je vais arriver là. Si tout pays a pris des missions, nous ne pouvons pas faire des choses sans que nous ne casse légitimité, non? De fait, nous sommes obligés de composer avec Guy Philippe, oui? Comme ça, Guy Philippe lui-même. Il est toujours dit qu'il n'y a pas de folie chef, il n'y a pas de folie président. Mais composer avec elle, là-bas, nous avons pas. Là, dit nous pour pays, pour bien être pays. Eh bien, moi-même, mais ça que je veux. Comme peuple, c'est moi qui l'ai appris. Eh bien, moi-même, ça que je veux. Je propose. Mais nous décidons pour nous cacher dans un téléphone. Pour nous faire complot. Avec étrangers, pour c'est nous, comme monde qui sans légitimité, qui décidons pour que nous prenions le pays. Je regarde, et puis je me dis, ah, je comprends. Et puis je dis, regarde qui côté, et que décide de mener le pays. Gary Conil dans New York, il est obligé de justifier, et que tel bagay fait tel bagay. Tel bagay fait tel bagay, et tel ceci, et tel cela. Comme si, gon justification. Ou y gon, l'autre là même, ou y a dit comme ça que, gon coup d'état diplomatique kap fait, ou y pral gen des têtes kap coupé, automatiquement nous, délégation la rentre à Haïti. Qui tête qui pral coupé? Ou même comme ti Chine, ou même comme ti pas sérieux, ti bluffé, ou y a dit gen tête qui pral coupé ya. Comme si, ou pas getan, ou pas dit tête tout clairement, ou pas supposé sou moun toujours. La fin, yo fin grand moun. Yo sans autre passé son pas konne. Yo fin grand moun. Yo vicieux, yo audacieux parce que sou pa konnen. Et c'est là bagay la pi grave. C'est la route l'arrivé pour nous comme peuple. OK? C'est la mal pour route qui arrivé pour mener nous comme pays. Et c'est grave. Et c'est purement malhonnête. Et sont dérespectants. Moi même dis que ça yo moi même comme jeune garçon,
Je ne suis pas capable de camper pour m'observer. Ma composition claire pour me dire que le pays nous pas capable de continuer comme ça. Et il faut nous stopper ça là comme des blousailles. Il faut nous prendre toute disposition pour que nous stopper. Parce que ce n'est pas logique, messieurs, dames. Pour ne pas accepter un groupe de monde qui n'a pas rien comme pays dans la tête, yo, qui décide de ce que vous voulez faire pendant que c'est intérêt personnel qui a défendu. Ça, l'image pays, ya, humilier pays. Ya. Vous m'avez dit ça très bien. Pour tout bagarre qui passé soir, ça, ça coûte. Coulez cette traite. Pour dire que dit comme ça que nous décidons ce gars qui a représenté Haïti tel bagarre. Il a mieux fait. Pas d'abgé tout kabouyaï sa yo. Pas d'abgé pipa l'ampil sa yo. Pas d'abgé. Mais qu'on y a 7 neg, 9 moun, y a cherché non président sur Google pour Haïti. Et là, y a dit ce président, qu'on y a chef protocole. Président Lula a dit, non, moi m'pa connais, qu'on m'pa comprenne ça. Nan pays m'son seul président, m'on connaît son seul président gen. Et elle dit, non, c'est 9 président, c'est non conseil lié. Et elle dit, qu'on y a chef protocole là. Tellement senti que Barrel a pas parlé clair. Même moun kap defon, soit disant Leslie Voltaire qui campe qui dit le président, yo dit, monsieur, mettez de yo tout. Yo fout, monsieur, de yo, t'as couché. M'dade yo mette Gamal Augustin de yo, t'as couché dans l'espace là. Ça veut dire que ça, Haïti, apprend un autre là dans toute dimension. Imaginez, pendant que moi, Haïtien, tout partout, aux États-Unis d'Amérique, a mobilisé, et une organisation qui représentait et des responsables haïtiens qui décident même à porter plainte contre ancien président et actuel candidat à la présidence dans notre Trump et actuel vice et candidat pour vice-président J.D. Vance, sénateur de la République dans le pays, alors dans l'État Ohio. Pendant que haïtiens dans le tribunal avec Mounio, pendant qu'il y a questionné Mounio, par la prêle prend route et chimie la justice, et puis pour moi, c'est nous-mêmes encore qui continuons à faire route ça, qui côté New York dans le même pays Mounio. Notre défaite. M'a campé pour nous dire, frère, monsieur, capitaine, capitaine, là, il faut que nous passions dans l'autre dimension. Quel que soit les prix à payer, il faut que nous ayons pour faire, pour que nous connaissions que nous ne pouvons pas arriver là avec le pays encore. C'en est assez. Abraham dit c'est assez. Nous ne sommes pas capables. Quel bon pays, dans conditions pareilles, pour c'est comme ça, et bien, nous faisons, ce n'est pas logique, ce n'est pas acceptable. Moi me dit ça pas qu'à continuer. Nous va continuer alors grand pile intervention qui fait sous ça. Gen Valérie ni m'a parlé. Gen Marco qui détriper nèg yo. Marco va être chargé net. Va faire nous tande Marco. En pile cause qui parler. Mais tout d'abord qui t'aime dit nous bonjour. Bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous et ou regardez nous. Encore une fois c'est un plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous sur plateforme pa nous. Qui c'est plateforme YouTube, Info Bertoua. Pas de nous partager, commenter, like, et puis abonner si nous voulons abonner avec plateforme non, parce qu'il est très intéressant pour que nous abonnions avec plateforme non. Gagné Gary Koni tout qui parlait dans micro et VOA Creole, que nous gagnons pour nous tendre ensemble à vous. En pile intervention. Fait que nous voulons partager ensemble avec vous dans émission ça. De fait, ma pando, restez là parce que restez là comment c'est partager émission, hein? Je comprends moi. Partager émission, hein? Y a une façon pour que nous capable permettre que plus monde et participer ensemble avec nous. Partager, commenter, like. Et puis abonner si nous voulons abonner parce que c'est très important. On a ça li pour nous tous. Mais comme ça n'a pas vivre là, c'est pas nous qui mettons messieurs là. N'a pas dit que naturellement, nous ne sommes pas capables de quitter le pays à continuer à prendre route que nous avons fait le prendre là. C'est très important pour nous, pour que nous tracions exemple sur nous. OK? Pour nous tracer exemple sur nous. Pour que ça yo pas continuer sur monde toujours parce que ça cap passe Haïti là m'estime que li pas logique pour Haïti à vivre ça en 2024 un pays qui c'est Haïti pour n'a vivre ça moi là en 2024 OK
Ça veut dire, il est important pour que nous dresser et genre de situation ça yo. Et pour nous dresser yo, nous obligé faire gens que nous devons faire là. J'aime dire là, bataille là, pas gain camper là-dedans, responsabilité pas dedans. N'a continuer prendre mais avant que nous arrivions plus loin, n'a tout camper là pour que nous voyons gros coup. Salutations pour leader charismatique nous qui c'est général en chef révolution ancien sénateur Guy Philippe que n'a gardé sous écran. M'a demandé nous partager émission et puis pendant que n'a salué général en chef révolution qui c'est commandant Guy Philippe. Et n'a dit tout ça qu'a fait là, l'a fait en faveur leader pa nou, l'a fait en faveur révolution. Et c'est la nature justement qu'a banon et possibilité ça. Nèg yo wè k'ap fè, tout ça y ap fè là, wè ou décrit dans niveau yo décrit, c'est la nature k'ap servi avec yo et k'ap frappé yo dans niveau ça. Et n'ap di bon Dieu dans celle-là, merci pour ça. Et n'ap di bon Dieu accompagne pour que peuple nou comprenne effectivement gagne yon véritable opportunité qu'il a. Yon privilège pour que yon exploite. Mais faut nous faire bien. Pour nous exploiter opportunité ça, m'a dit non que c'est nous tous qui pour mettre tête nous ensemble qui pour exploiter opportunité ça. Tout ça qu'a fait là, Guy Philippe, c'est meilleur monde qui capable bénéficier ça. Ça qui fait ça. Parce que green leader qui était sur le terrain, qui gagnent qui gon popularité énorme qui gagnent pile l'autre leader qui croit dans lui les relé Guy Philippe contexte actuel là li approprié il est très très intéressant contexte actuel là li approprié il est très intéressant pour que naturellement nous comprenne que Guy Philippe là son élément incontournable que lié nous pral retourne son intervention que le commandant Guy Philippe te fait, mais c'est dans la troisième partie émission. Maintenant, pour une partie ça, nous prenons la première intervention. Il y a une enseignante qui est là pour Haïti, dans New York. Nous prenons le temps de Gary Conny, qui te prend Micro La Presse, et qui a parlé de cafouillage là. Toute qualité de blouse là. Nous prenons le temps de Gary Conny. En attendant d'elle, et puis par la suite, nous avons tourné parce que y a plusieurs interventions que nous prenons partager ensemble avec vous dans cette émission ça et nous avons gagné de commentaires tout. C'est très intéressant. En attendant, Gary Conny, pendant dans New York, dans ta délégation, Haïti qui a trois délégations l'autre bord, pendant que la Chine, il n'a plus gros puissance mondiale, il y a une seule délégation. Pendant que la Russie, il y a une grosse puissance mondiale, une seule délégation. Pendant que les États-Unis d'Amérique, puis gros puissance mondiale, les ont seule délégation qui gagne président Joe Biden dans tête li, pendant qu'il dans pays. N'a pas compris ça veut dire? Ça veut dire que pendant que n'a pas marché en bol blé, n'a pas marché mandé, mais c'est nous qui avons gaspillé plus l'argent. Ça pour comprendre, avant va comprendre. Corruption en continuation. Entendez, Gary Conny, dans micro, téléimage. Véwa Kriol, gen plaisir de ça pour nous rencontrer avec Premier ministre Gary Conny, une personnalité importante en moment ça, et tout dans le contexte 79e Assemblée générale des Nations Unies. Merci pour moi, ça quoi passer ensemble avec nous, et puis encore une fois, et pays après le temps d'eau. Salut Valerio, salut tout auditeur, c'est vraiment un plaisir pour me calabre à soi. Merci pour ça, on commence. Nations Unies, au présent, 79e session, hein? Et au présent comme premier ministre haïtien, qui ça qui gagne aujourd'hui pour Haïti dans les Nations Unies et à qui ça Haïti a sauté la donne? Effectivement, Valérie, moi là, comme membre de délégation, pour nous profiter de la période ça, qui est l'Assemblée générale, pour nous faire des contacts importants avec des pays, pas seulement des pays, mais des organisations internationales, des partenaires qui ont influence ou qui ont un lien avec la situation que Haïti a vécue aujourd'hui. Généralement, là, il y a l'Assemblée générale où il y a deux composantes, où il y a une partie plus formelle là, que généralement c'est chef de délégation, hein, président de la République, qui peut faire discours de circonstances, etc. Donc, l'autre partie qui est tout aussi importante, c'est ça qu'a fait en marge
ou après rencontrer des mondes, ou après parler à monde, ou après profiter pour ces agendas. Donc nous, là, je dis, ah, c'est parce que, évidemment, nous venons faire rencontre avec des pays, des leaders internationaux, pour nous expliquer aux situations haïtiennes, là, et pour nous essayer de remobiliser autour d'Haïti. Mm-hmm. Et ceci, c'est très important pour la population à comprendre. Le NAMGA des crises haïtiennes, là, il y a différentes facettes là-dedans, mais un élément qui est très important pour la solution aux crises, là, c'est la nécessité pour nous un accompagnement en termes de ressources financières, en termes d'accompagnement technique, en termes de solidarité internationale, pour nous capables, effectivement, de résoudre la crise. Là. Qui est-ce qui a sorti pour nous? Mm-hmm. Nous venons avec un agenda chargé pour nous rencontrer des personnalités clés. Chaque personnalité, chaque organisation, chaque groupe que nous avons rencontré était intention. Je dis, par exemple, nous rencontrons le Premier ministre Trudeau. Mm-hmm. Nous faisons une conversation d'abord en tête à tête avec elle, mais ensuite avec Canada, ils ont réuni tout un groupe de pays qui sont amis et qui supportent Haïti, qui étaient dans nos plateformes, nous faisons un plaidoyer, un, sur ça nous réaliser pendant la période. 100 jours sur le passé. Deux, expliquer aux gravités de la crise haïtienne qui est largement sous-estimée. Trois, présenter une vision de ça nous voulons faire sur les 15-16 prochains mois. Quatre, rappeler que vous avez fait des engagements, il faut qu'il y ait des engagements. Donc, chaque fois que nous faisons, passer comme ça, un peu plus tard dans la journée, nous rencontrer le président Lula, par exemple. Oui, c'est ça. Et nous parler non seulement de collaboration, de coopération Brésil, Haïti, particulièrement dans le domaine technique, en coût sécurité, mais dans le domaine plus vaste de développement. C'est vraiment une discussion sur coopération. Mais surtout, nous demandons au président Lula pour l'utiliser réseau, pour l'appuyer fort de plaidoyer que nous avons fait avec l'autre pays à travers le monde. Et particulièrement pour l'aider nous mobiliser l'Amérique latine autour de la crise haïtienne, parce que vous nécessitez pour ça. Fait. Très bien. Et puis, il semble avec le Premier ministre jamaïcain tout. Jamaïque qui, quand même, enfin, un joueur important ce jour-ci. Il y a des militaires que vous et des policiers, nous dit plutôt. Il y a un contingent d'à peu près 21 personnes. Il y a rassuré nous. 21 personnes. Fait par phase. Il y a un contingent au Balbano tout au niveau de Bepo-Preslan et de protection pour là, qui est excessivement important. Mais surtout, Jamaïque fait partie de CARICOM, qui ont influence au niveau de l'Assemblée des pays dans différents forats internationaux. Il était archi important pour m'expliquer, Premier ministre Jamaïque, côté nous, il y a l'évaluation de situation, vous pouvez vous aider, nous faire plaidoyer ça à d'autres niveaux. Mm-hmm. Donc, c'est une rencontre très intéressante. Évidemment, je suis toujours impressionné par le fait que tout leader sont très engagé à suivre Haïti de près, remet Haïti à tout cœur, voulait que la population haïtienne en fait mieux, réitérer le fait que vous-même êtes engagé jusqu'au bout et rappeler que vous parlez pour accompagner et fournir jusqu'à la victoire finale, le succès final. Très bien. On permet de faire un petit dans le contexte et les Nations Unies, hein, qui c'est 79e Assemblée, que vous-même, et puis évidemment, on l'a parti dans la délégation, on t'a supposé là, nous ne parler de ça tout à l'heure, mais c'est sûr que Haïtiens qui vivent à l'extérieur du pays, il y a regardé VOA Creole tout, Haïtiens qui en Haïti, au monde couvert, je suis à vos côtés, c'est sûr que c'est certain que vous voulez tant d'eau, dire qui est en situation d'insécurité. Ou même dit situation d'insécurité, je ne vais pas parler de situation de sécurité, parce que je crois que jusqu'à présent, Premier ministre, et je prends tout du doigt carrément, pas fait rien, bandit, je prends plus de terrain, je vais valer terrain, mon dame là dans la diaspora, elle a regardé dans le moment là, monsieur ça, l'envie à la carrière, il peut, ou responsable, ou ses chefs gouvernement, pas ou même seulement, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a dit, mon ça? Est-ce qu'on va être fait vraiment? D'abord, il faut me dire que. Moi, mes questions, ça. Légitime. Oui, correct. Pas une excuse. Soit vivre dans la diaspora, encore plus, soit vivre en Haïti, soit sont déplacés au balcon, ils soient ni là, en camp, soit sont. Ou en pile, moun que vous rencontrez, quitter la caillou, pas qu'à retourner la caillou, ou moun yon a vivre une situation de peur. Donc, il faut me dire que je comprenne, et me sensible à la situation de peur que moun yon a vivre. C'est le premier point pour nous faire. Pas une excuse pour ça, il faut me reconnaître. Mais deuxième point pour nous faire, c'est que lors d'une situation côté 80-85% zone métropolitaine contrôlée par des gangs armés, presque 200 et quelques gangs, on a parlé de 4 à 6 000 monde ou entrer dans une situation de crise côté guerre référence pour lui. Exemple que nous gagnons, c'est que Bukele, Salvador, il y a un contexte de gang la Kaili, il y a 300 et quelques policiers par 100 000 habitants, il y a l'armée pour moitié population par mois. 4500 militaires, il y a une technologie, il y a un tank, il y a un drone, il y a toute qualité d'équipement. Ça prend 2-3 ans avant pour commencer. Et d'ailleurs, l'ELTE commence à approcher la sécurité. À premier mois, c'est un échec cuisant. Ça prend des années pour l'arrivée, mettre main sous sécurité. Alors, pour un Jamaïque,
qui était une crise sécuritaire. Et pas vrai, bam coupola, pas bay menti. Ça que m'bra le prend discours, ouais m'bra le prend discours président Naïm Boukele tout de suite au fin fait intervention là. M'bra le prend discours président Naïm Boukele tout de suite. Ou dit ça prend des années, menti, ça pas prend des années. Ça prend quelques mois. Ça prend quelques mois. Pour éradiquer le phénomène gang dans le pays. Pas dit ça. Et m'a dit ça très bien. L'autre fait que venir pas dit que ça te gagne. Ou a dit, ou a pris exemple sur l'autre pays, qui gagne, oui, 300 policiers pour 100 000 habitants, oui, l'armée, tank, drone, tout bagay. Ou te connais, soit t'as vu jouer, soit t'es venu faire là, soit t'es venu faire là. Et c'est ça qui est important pour nous. Moi, m'a dit ça très bien. M'a dit qu'on a un petit. Papa, c'est ton Duvalieris. Dans un premier temps, nous te dit comme ça que m'pense qu'on capable de caractère. On pas sont capable prendre responsabilité ou soit pas capable de plier. Mais Gary Koni, écoutez mon frère. Même jamais si me dou m'apra ou et péché d'un bagage de raï moun. Mais sou pas capable mettre là. Pas occupé nèg k ap vinn bon conseil ou du moins retirer avec ki bon koto yo, retirer bon gang ki bon koto yo, bon méchant bon koto yo. Retirer bon koto. Mais ou prend forme nan ou ba un peuple menti. Pendant peuple a souffri. Pendant moun yo pas ka fonctionner mais mettre là ou ba un mentor. Ou comme si un comportement bluffeur, ou fait figure piti, comme quoi que gomba ou va parler avec cœur. Pendant que moun ap mouri, gen yon trafic d'organes kap fait dans pays ou pè parler. Ou ap gade pou wè. Président Tichin nan, comment il encore, Leslie Voltaire, représentant la Valas nan, bon, me félicite l. Parce qu'elle dit en vérité. Sous tribune Nations Unies, il s'est dit comme ça que gon trafic d'organes en Haïti, et c'est la vérité. Mais ou même ou pas parler. Mais monsieur, soyons sérieux. Soyons sérieux mettre là. C'est pas possible. N'a pas essayé ou les langues nous. Prends exemple sur l'autre pays, le pays qui est moyen, il prend 2-3 ans, il va foutre 2-3 ans. Ça gaïtien nous ka éradiquer. Toute formule là, monde qui est capable d'en, nous décider barrer la route, nous prêt pour nous touyer parce que nous pas vle problème dans résoudre. Et vous pensez que l'illogique pour tout monde camper pour abgado là, pour continuer à presser ce monde? Non. Ça va de continuer. On avance. Policier pas 100 000 habitants, il y a là. Il y a une technologie, une structure. On prend le Brésil qui est 65, mais ESO. Et Mkabo, des exemples. Nous te dit, population haïtienne, dès le début, que problème nous, jeunes, sont un problème qui pourrait prendre temps, parce que nous-mêmes en Haïti, nous avons moins que 70 policiers par 100 000 habitants. Nous n'avons pas gagné le nombre. Deuxièmement, c'est pour une police qui était franchement entraînée pour genre de combat, ça, que la mené là, qui c'est pratiquement une guerre urbaine. Troisièmement, nous avons une police qui est sous-équipée. Quatrièmement, nous n'avons pas de l'armée qui est impliquée vraiment dans la bataille là. Donc, on prend dans tout le pays, ça. Ils ont décrété l'état d'urgence en moment de crise, essentiellement parce qu'ils ont besoin d'entrer l'armée en combat. Nous-mêmes, malheureusement, nous avons moins que 1000 soldats qui ont même été éparpillés là, surtout des zones, dans des responsabilités de protection de sites fixes. Donc, premier bas, nous obligé de faire pour résoudre la crise là, c'est nous changer le commandement de l'armée. Là. Pour nous porter plus d'énergie, pour nous porter plus de pour nous porter une nouvelle vision de sa problème et qu'on résout. Deuxième bail, nous fait c'est qu'on introduit l'armée en question. Nous vraiment établi que l'armée et la police a fait opération ensemble, c'est la première fois. Et depuis environ plus que 3 semaines, ou après que l'armée et la police a fait opération sérieuse côté une bonne partie de Solino, une bonne partie de Bel Air, côté que moins quoi que très vite nous on peut retourner la caillou n'a pas avancé sûr. Contrairement à ça qu'on fait avant, nous pas contenter de faire opération. Nous faisons opération et puis la consolider. Et c'est ça l'affaire. Donc, il faut faire opération, il faut consolider pour que l'État qu'on y arrive très vite reconstruit sa santé, reconstruit l'hôpital, reconstruit l'école, établit poste de police pour la population qui a retourné. Son coquin chaîne d'opération et nous pouvons aller pour nous faire opération. Ça a 14 fois plus faut nous ouvrir ou du nord. 14 fois. Parce que là, on a au moins 14 quartiers, côté quoi, pour obliger de faire le même type d'opération qu'on fait, pour obliger à le faire dans le village de Dieu, pour obliger à le faire dans la ravine. Mais est-ce que l'opération permet de m'interrompre? Est-ce que l'opération bat le résultat? Parce que la perception, c'est que pas un gros chef bandit qui arrêté ni tombé, à nous disons ça, dans ce sens. Il y a trois composants de là que faut comprendre. Il y a un gros chef bandit, mais même lors d'après un gros chef bandit, ça peut retirer nécessité pour reprendre un territoire considéré comme territoire perdu. Généralement, okay. L'opération chef, on dit qu'on l'autre qui remplace. Donc, opération à faire, à qui sont opérations, caille par caille. Ça fait me parler de. Comment caille par caille là? Ben, presque. Là où est monsieur la police, avec leur courage, et monsieur l'armée, on va prendre tri dans la zone solide. C'est caille transformé en piège pour eux. Donc, c'est vraiment nettoyer caille par caille, chercher bandit caille par caille, avancer quartier par quartier. Comment ça, Gary Koni? Attendez, messieurs, dames.
et avancer Kaipa. Écoutez, m'a dit nous ça très bien. Quartier Belle, Solino, côté zone yo, côté bandi yo ya, façon que gang yo placé, seul moyen ou ka vide gang nate, solutionner problème nan, c'est mare moun kap vann ballon ou bien fizye moun kap vann katouche. Mare politicien ou bien fizye politicien qui t'a pas alimenté gang nan. Tout autant que ou kite vann kap produit ballon ou bien kap alimenté gang nan. Et là, gang ap toujou gen sous. Je suis désolé, hein? Vraiment désolé. Tout autant que moun kap finance gang nan, kote gang nan pas achete ball la, moun nan toujours rete en vie, moun nan toujours marché, moun nan ouvri, comme si nous pas jamais questionner pas dit ça. Et puis nous dit moi tira bandi, bandi a toujours capable camper pour faire ça l'affaire. À l'aise ou monsieur gang yo à l'aise là. C'est parce que on que nous pas mener bon opération. Moi même, m'ta dans tête pays, il y a pas gon gang qui t'a pas à l'aise. Alors pour moi même ta dit m'a mettre sécurité dans pays et m'ta attendre nèg a fait toute gang a fait live. Toute nèg a mi a fait live. Sénégalais yo k'ap di mais comment pour la police là l'état tabay la paix gang yo comme si ou senti gang yo plus t'as envie une solution que nèg ki l'état qui dit ou besoin solution ou plus senti l'état pa vle ou plus senti l'état pa vle pays gen la paix parce que ou l'état pa vle attaquer problème nan côté problème nan ya on kite gars ko ni parler parce que monsieur Soud bagay la me démentil pour me démentir li faut me démentir avec preuve à l'appui faut me râler discours président Naïm Boukele, qui est président San Salvador, sous tribune Nations Unies, dans la 79e Assemblée Générale Nations Unies dans New York, nous prenons le temps d'elle. Elle est extrêmement important pour nous prendre, pour nous prendre, pour nous donner chef de l'État qui a parlé. Et c'est très important. Hein? En avance, Gary Konya l'appareil. Complexe, qui m'a donné précision, qui m'a donné niveau d'intelligence. Entre temps, évidemment, il y a trois contraintes. Un, vous voulez minimiser le nombre de citoyens civils qui blessés. Deux, vous voulez absolument consolider l'opération. Trois, vous voulez minimiser tout risque pour les policiers ou avec les soldats. Quatre, risque de vie. Donc, vous pouvez regarder n'importe qui référence au monde. Vous pouvez mettre un défi dans mon référence au monde. Côté qu'avec 3, 4, 5, 10 fois plus de moyens que nous avons, ce sont des bagailles qui pourraient le printemps parce que nous avons été dans une situation qui est catastrophique. Donc, nous rentrons avec un nouveau leadership dans la police là, qui lui-même fait évaluation par. Deuxième bail nous fait que nous avons même nous comprendre. Le même arrivé, moi je joins un toute stratégie sécurité à reposer sous la police. Ça tout c'est un bail qui a un sens. Nous avons une référence pour ça. Généralement, nous n'avons pas broché. Aïe, aïe, en avance. Sécurité qui a cette ampleur, ou un paquet de l'autre composante qui est très importante. L'armée, c'est une, la participation de la communauté, le désarmement, la justice, les investissements en matière de. Donc tout ça est négligé. L'implication du ministère de l'Intérieur. Pas de plan stratégique pour résoudre le problème de sécurité. C'est plutôt une approche réactive. Je dis attaquer ma droite, je défends moi à droite. Je dis attaquer ma gauche, je défends moi en gauche. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, avec l'appui des meilleurs experts nationaux et internationaux qui travaillent avec nous, c'est ça la vérité, nous définissons une stratégie qui est très complète, qui est compréhensive, qui permet de nous avancer pas par pas pour nous récupérer quartier par quartier, caille par caille, pour nous retourner retourner la caille. La réponse à ta question, c'est oui. Descendre à Haïti, il y a un Haïti, il y a toujours dit, il y a descendre dans Badelma, il n'y a pas de café là avant. Hey, Gary Koni. Hey, Gary Koni. Gary Koni, mon cher. Il y a descendre Badelma. Hey, c'est mon cher. Il y a risqué. Il y a comme il n'y a pas qu'à manger, fait leur envie péter. Il y a obligé à replier et obligé à souquer qu'on a un café ou pas. Mais, hey, Gary Koni, mon cher. Faites attention. Attention, Gary Koni, mon cher. Vous voulez que vous m'avez dit, mon nous avec mon yo avec nous chaque jour gars koni et ou pas parler avec ou même cap essayer gérer des bagages à distance mais nous même nous parler avec ou papa yo parler avec nous chaque jour qui t'aime ta lancer pour m'ouvrir ligne plateforme YouTube faut mettre là ou après tout pour reler nous a démenti ou et veut tout monde qui vit Haïti yo qui ton réponse pour gars koni est-ce que monde qui marche dans la ville à l'aise avec toute quiétude d'esprit y a tout monde y a disparaître monde c'est disparition gamba oui c'est trafic d'organes qui gamba ko konnen mon papa parler. Ou pas parler parce que nèg k'ap fè yo c'est nèg qui dans secteur privé qui dans dou c'est nèg qui dans l'état ou konnen yo ou pas attaquer parce que ou pas là pour déranger gros assassin vrai criminel là monsieur pas là pour le déranger monsieur là pour le ba nous menti mon pas là pour déranger vrai assassin moi même pas de pièce pour là avec Gary Koni parce que j'aime toujours dire m'te gon position qui clair bien que tout monde te gon volant avant parce que ou sorti dans l'imateli depuis sorti dans l'imateli ou pas ka bon monde
et tout le monde dit qu'on comprend pas pour ma télé. Mais quelque part, ou te wana monsieur plus ou moins on a quitté ka, peut-être font bagay par rapport avec sa gamba yo. Mais là ouais monsieur vini, monsieur pas décidé de déranger. Youn nan ki nan secteur privé, li pas questionné ça qui a passé dans douane. Il va décider de déranger youn nan ki nan secteur privé, il va décider questionner deux budgets qui gaspillaient sous Ariel 650 milliards de gourdes, mais il décide plutôt pour lui faire un budget rectificatif pour mettre l'argent disponible pour continuer à gagoter l'argent pays. Il va décider qu'on se questionner les assassins de Jovenel Moïse. Au contraire, il décide pour que il vienne aider qu'à se faire couvrir ça avec nèg qui touye président Jovenel. C'est ça gars qu'on y a fait. Et dans ce sens ça, moi garantis ou va payer pour lui parce que peuple n'a pas pardonné ça. Défaite qu'on fait tout pas passé. Parmi dernier grand monde qui vient ajouter dans liste assassin Jovenel et de faire des ou complices. Et nous ne pouvons pas donner ça. On a des gars qui connaissent toujours, parce que nous allons traverser. Rélé, mon, et Port-au-Prince, dans un Delma, il y a deux, pas qu'on soit dans la nuit, il y a un café, il y a l'aéroport national, avion rentré. Matissan, il y a pas passé Matissan, non, il y a beaucoup. Matissan, nous ne pouvons pas aller à Matissan du tout, zone, ça est toujours bloqué. Okay. À la fois, on ne peut pas encore prendre la route du nord, on ne peut pas encore prendre la route du sud. Ça fait partie de priorités stratégiques que la police l'a mis avec force répressive. Yogain. Mais on a fait le nous bien paré, le nous bien suffisamment d'équipement, l'intelligence nous bon, le nous sucre, nous minimiser le risque pour les policiers, nous, le nous sentir tout le monde fin opération, nous qu'à consolider. C'est ça la chose responsable à faire. Donc, nous connaissons, nous sommes patients, nous connaissons, c'est normal, nous avons souffert. Mais nous-mêmes, en tant que l'État responsable, nous sommes obligés de faire pareil. Je me rappelle que. Après le premier mois que je suis en Haïti, il y a un pile de monde qui a pris la radio, qui a dit comment je fais pour faire ceci. La vérité, c'est que nous-mêmes, nous te connaissons que dans quelques semaines, nous avons plus d'une trentaine de nouveaux blindés et que mission, nous avons plus d'une trentaine de nouveaux blindés. Nous avons l'autre qualité instrument, nous avons l'autre qualité intelligence. Donc, nous avons pris le temps de réunir et de renforcer nos capacités parce que plus nous avons capacité, moins nous avons, ça veut dire collateral damage, moins tout nous mettons policiers. Malheureusement, et ça me fait ça à lui, nous perdu policiers ces derniers temps. Et nous payons son bail qui déchire, que l'on sont responsables et que vous voyez policiers, vous mourrez et puis vous mourrez. C'est ça qui fait qu'on nous prend les décisions de façon. Mais ça me donne mes auditeurs, vous comprenez. Nous pas faire bac. N'a pas avancé progressivement. Film ça va aller, il n'y a aucun autre genre de fini. Le peuple haïtien a victorieux. Il m'a demandé que nous prenions patience, il m'a demandé que nous appliquions une méthodologie rigide, il m'a demandé que nous campions derrière la police avec l'armée, il m'a demandé que la population joue le rôle, il m'a demandé que l'État subventionne et supporte l'effort, il m'a demandé que les partenaires jouent le rôle. Je me rappelle, la communauté internationale a promis nous depuis des mois plus de 2500 police. Jusqu'à présent, c'est 400 seulement. Pour qui ça? Nous arrivons septembre parce qu'il y a un problème pour mobiliser comme l'argent pour que le déploiement soit fait. Et c'est pour ça d'ailleurs, nous, là, à New York, c'est pour nous mettre pression sur eux. Le AVC a expliqué nous que nous paquet notre priorité dans le monde pour nous camper, pour nous garder dans les yeux, pour nous dire que si mon haïtien qui a souffert, je dis, pas mérité moins que si mon qui est en Ukraine, que si mon qui est dans l'autre pays de crise, et que Haïti, je dis, a besoin de solidarité, il faut avoir une solidarité, il a fait preuve. Deuxième bain, on a fait valoir que pas de compte fait avant. Pendant que nous avons dit communauté internationale, il faut respecter l'engagement. Nous ne pouvons pas camper. Nous utilisé moyens, pas nous, assets, pas nous, ressources, pas nous, de manière beaucoup plus efficace. C'est pour ça que Jean Doulan, ça a pris notre équipe pour que finalement, on commence ouais, pour la première fois l'armée d'Haïti avec la police d'Haïti. Mais dans la main, il faut faire un cadeau que son force terrible. Et dans le cas d'espèce là, dans pile bandit, je dis à Kambakaban, parce que je senti l'État avancer sur une très fière, monsieur la police à l'armée. Bandi et opportunité pour tout à l'heure oui Valerio me salue. Désolé me coupe Valerio. D'ailleurs qu'on dit gain en pile bandi Kambakaban. D'ailleurs il est important. Position pam avec mi comme nous supposé que position que l'État doit gagner comme si on l'État qui responsable cap traquer gang. Il va pas supposé en position qui contraire avec ça l'État dit ou bien position l'État le l'État décide pour que li dit tel bagay ou bien gè tel position. Mais par conséquent, m'pap ka kite yon autorité étatique a bay yon population kap soufri menti, comme quoi que peuple a capable de déplacer pour le sorti d'Elma, pour le descendre bas d'Elma. Parce que yon apren pour yon fait traf, pour yon rache organ ni, pour yon dépatial. M'pap ka pren sa nan me gari koni. M'ap di peuple an pa fel. Ou gari koni kapab di ou kon sa ke moun kapab se ke le nan nuit, sou d'Elma menti ou pa dwe fel parce que yon apren ou, yon disparaît ou koun yon pa kidnap ou non, yon disparaît ou net. Il prend organe.
Ça dit que y a prend cœur ou y a le vendre avec l'autre nation. Y a prend rien, des faits ou pas exister. Il y a pile jeune qui sorti qui pas rentré. Ça veut dire qui ça? Trafic d'organes existait dans pays là, mais gars qu'on y pas veut parler et monsieur dit comme ça que monde capable prendre la rue. Et me veut pays qu'on est. Chaque fois monsieur parler là parce que trafic d'organes tellement rage sous béton. Si monsieur parle, il va le mélanger. Mais Tichine, qui se représente à la valace là, monsieur dit une vérité. N'importe qui, monsieur dit une vérité. OK? L'important pour qu'on connaisse. Entendez, monsieur, toujours. Rapidement, quelques minutes, parce que moi, c'est l'important, la plus importante pour tout. Éclaircir, oui, mais ça, peut-être, mon cap parle en pilio, s'il vous plaît. Enfin, où venir en premier, enfin, première délégation venir? Président, conseil, là, pas de venir, t'es gagné si problème avec lui. Qui s'allie exactement, rapidement, juste pour éclaircir. Bonne opportunité, ça, pour éclaircir ça. Ce que je garde, c'est que mon processus dans le Barissa, qui n'est pas nouveau du tout. La tortue, pour t'es qu'on voyage avec Boniface, Martelly, t'es qu'on voyage avec Laurent Lamotte, il y a plusieurs présidents qui voyagent avec le Premier ministre, il y a un roi qui voyage avec le Premier ministre. Ça, son bail qui est assez commun, hein, qui n'a pas aucune nouvelle du tout. Donc, dès le départ, moi, j'ai annoncé ça, je fais une note de presse qu'on a vérifié. Je fais partie d'une seule délégation qui est présidée par le président Edgar Leblanc. Et on note que nous sortis pour nous expliquer ça. Nous avons fait en marge de l'Assemblée. Pour ce qui concerne l'Assemblée, c'est généralement les chefs de délégation. Et c'est seulement lorsque le président ne peut pas y être que le Premier ministre alors le fait. Donc, c'est le premier bail à nous faire, nous sortons une note. Deuxième bail à nous faire, c'est que le voyage-là, nous préparer avec le président Leblanc lui-même. Nous expliquer, ben, ça l'a fait, mais dimanche l'a fait, et lui-même, mais dimanche lui-même, il pourra le faire pour qu'il y ait cohésion. Donc, pas rien de délégation, qu'on seul qui présidait pas un seul monde. Moi-même, je fais partie de délégation. Ça, par contre, tâche nous pas même. Je vais venir là pour me chiter à l'Assemblée. Tâche moi-même, c'est pour me compléter sa présidence pour le faire, selon propre responsabilité, vision et objectif. Moi-même, je peux me compléter avec des bilatéraux parce que je suis à New York, quand pile monde pour rencontrer, quand pile des matchs qui pour faire, quand pile suivi qui pour faire. Ou par exemple, que moi, vendredi soir, je rencontre un paquet d'experts techniques en Colombie, le président va bien faire ça. Ou que je rencontre avec le premier ministre Jamaïque, le président lui-même, il a pris un autre objectif. Pardon. Une seule délégation dès le départ, la première chose. Deuxièmement, le dimanche qui fait pour capable gagner ce service-là, de manière systématique, pour écrire d'abord aux Nations Unies ce qui a été fait. Et d'ailleurs, à ce que moi j'ai pu comprendre, l'aide qui concernait le président Leblanc, elle est en Bambamna. Donc, il n'est pas maintenant allé après. Et ensuite, processus assez systématique, Nations Unies contacté, département d'État a un service approprié, service à lui-même, il décidé que oui, la baille, non, pas baille, comment la baille, pour qui ça la baille. Et son système qui est pratiquement automatisé. Donc maintenant, ça a été, grande a été ma surprise lorsque m'apprennent que bon difficulté pour que le président Leblanc, qui sait et qui a toujours été le chef de cette seule délégation, ait une difficulté. Immédiatement, l'équipe l'entre en branle pour essayer de comprendre ce qui a passé. J'ai compris que lui-même, il avait été avisé indirectement par ses collègues, par son staff, jusqu'à ce qu'évidemment, bah, elle a escaladé. Entre-temps, je crois que le département d'État lui-même résout le problème. Non? Et lui expliquait que le président Leblanc a bien toutes les facilités offertes à un chef d'État qui vient aux Nations Unies. Donc, vu la situation en Haïti, c'est tout à fait logique. Et puis d'ailleurs, nous avons un gros forum n'a pas organisé là, qui sont forum d'investissement mercredi. Côté là, nous avons presque 150 monde, dont de grands investisseurs qui viennent tendre nous. Pour qui ça? Parce que nous avons fait le plaidoyer que même si nous avons gardé la question de sécurité, il faut garder le potentiel d'investissement dans le nord et dans le sud. Donc nous réunions un paquet de monde pour faire ça. Donc il y a plusieurs éléments pour faire. Et vu qu'il y a plusieurs éléments pour faire, ou déplacer à cette heure, incluant le président pour faire le plaidoyer, pas le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, pour nous pousser la communauté internationale qui est essentielle pour le succès. Donc le même dans nos paquets, oui, moi-même, comme Premier ministre, je n'ai pas d'autorité pour me dire ni Nations Unies, ni Américains, mais qui m'ont pour bail, mais qui m'ont pour pas bail, il n'y a pas pour demander ça non plus. La délégation et tous les membres de la délégation, la même démarche, on m'a des visas aux États-Unis d'abord, que n'y a pas qu'à refuser en tant qu'État membre pour ce qu'on a vu aux Nations Unies, ou écrit Nations Unies, ou écrit des délégations, badge fait pour la délégation, il est clairement établi qui moun qui doit VIP, VVIP, en fonction du rang et de place sur la délégation. C'est des affaires qu'on n'a aucun vu sur eux, pas aucun, jusqu'à ce qu'évidemment, il y a un problème qui fait que eux-mêmes, pour une raison X ou Y, il y a un blocage. Et au fur et à mesure que le blocage a découvert, il y a tout un processus que nous mettons en place pour nous comprendre les alliés et pour nous essayer de résoudre. Et de fait,
j'en vois les résultats. Donc, pas aucune ambiguïté, pas aucun bagage, une seule délégation présidée par M. Leblanc. Et évidemment que moi, j'accompagne avec comme mission de tenir des rencontres avec, en marge de l'Assemblée dans le cadre de l'agenda qu'on s'est donné pendant cette transition. Premier ministre Goni, merci beaucoup. On connaît que nous voilà. Pardon, c'était Valério Saint-Louis. Eh bien, qui te prend la parole, et effectivement, qui te prend la parole, alors qui t'a fait interview ensemble avec, et Gary Conny, actuel premier ministre de facto pays d'Haïti. C'est ça que nous t'attendons là, peuple haïtien. Et monsieur dit des bagailles que nous t'attendons. Je n'ai pas bien trop de commentaires parce que monsieur t'a fait intervention sur ça, mais nous-mêmes n'a quitté et commenté par nous dans l'espace et qui fait pour ça, dans l'espace commentaire là. L'autre bagaille que m'te démenti, monsieur, parce que soit sous démenti li, avec respect, faut qu'on prouve soit démenti là. M'en pralé faire une intervention là que m'estime qui est extrêmement important. C'est un jeune garçon qui président pays Salvador. Monsieur le Naïm Boukele. OK? Monsieur le Naïm Boukele. C'est président San Salvador. Et qui est actuellement là, dans New York. Pour 79e Assemblée Générale Nations Unies, dans New York, plateforme ça qui réunit presque tout pays sous la terre. C'est une plus gros opportunité le yon chef d'état jeune ni pour aller parler. C'est New York lié. Nous toujours prenons exemple sous président Boukele comme un modèle chef d'état solide, un patriote conséquent. Comme moun que pays était tête en bas, mais qui décidait, après 50 ans, violence extrême, parce que ses réputations, sa pays te gagné, mais lui-même comme jeune garçon, monsieur décidé pour le mettre pays comme sous des pieds. M'bral mette photo, monsieur, sous écran pour nous. Naïm Boukele. C'est Naïm Boukele. OK? Voilà. Je vais mettre une photo, monsieur, sur l'écran pour nous, parce que je vais faire, monsieur, parler. Pour monsieur, démentir ça, Gary Conny, ce dit tout à l'heure. Quand Gary Conny dit, ça prend, monsieur, des années pour résoudre le problème de sécurité. Je dis, Gary Conny, non. Je dis, Conny, nous-mêmes, nous branchons en pile, oui, Conny. Ouais, ça n'a pas fait là. Les nous disons, nous prêts pour nous dépayer, nous. Nous ne pouvons pas venir là comme si, moi, de Mounio dit, nous venons. Non, nous ne pouvons pas venir pour qui, Jean. Mais, jeunes garçons, ça sont patriotes. Mon Salvadorien, jeunes garçons. Bref, nous attendons, monsieur. Monsieur prend la parole sous tribune Nations Unies dans New York hier, qui était 24 septembre 2024 là. Très important. Et c'est chef ça yo pour nous tendre. Et par la suite, gagné chef diplomatie malien qui font déclaration maman Pemba que m'ta dû partager ensemble avec nous si gagné temps. Mais sauf qu'on avance là toujours, et bien la suite, nous allons entrer dans l'autre bagarre qui passe dans la Coupe d'Haïti. On avance là, parce que il y a un dossier Haïti, et côté que président William Ruto annonçait que Luis Abinadel pour le voyer contingent militaire pour venir renforcer force multinationale dans la Coupe d'Haïti. Nous allons voir ça tout à l'heure, parce que ça, je ne vais pas dire tellement haïtien avec une sous ça, dit Beto, gardez pour nous, faut mal parler sous ça, parce que je vais dire des petits qui viennent de moi. Entendez, et Naïm Boukele tout d'abord, on avance.
The Assembly will hear an address by His Excellency Nayib Armando Bukele, President of the Republic of El Salvador. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Côté que parler toute langue net, oui. Côté ça. Señor Presidente. President of the General Assembly. Your Excellencies, heads of state and government, distinguished members of the delegations with us here today, ladies and gentlemen. When I came to this General Assembly for the first time in 2019, that left behind more dead than war. No, from Jean Bagajan Batiki. Comme prend parti et pas capable parti ça non c'est parti français à pour me prendre d'accord avec moi c'est parti français à pour mes amis président Bukele et président pays Salvador désolé parce que est parti et traduction en français à cap bon pour nous. C'est lui-même pour nous gagner. OK? Et parti traduction en français en cap bon pour nous. Pas mal ouais. Et si c'est ça, pas mal ouais. OK, pas mal pour parti ça pour nous. Mal gardé pour moi parce que bah c'est ça qui me déprend. Pour que ça c'est ça qui monte. Comme pour partie, et voilà. On va laisser ça maintenant. Nous capables à laisser ça. Merci, c'est ça là-bas, non? The Assembly will hear an address by His Excellency. Changed and in. Oh non, 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 non. Ça passe là. Tout à l'heure, je connais. Mais ça me gêne là, c'est. Et comment il est? Comme regarder, ça me gêne, c'est que. Ok, on va laisser là maintenant. On va laisser faire une façon pour que nous regardions si nous attendons l'ensemble avec nous, parce que le parti français, même c'est lui pour me joindre. Et c'est lui qui est intéressant pour nous. The Assembly will hear an address by His Excellency Nayib Armando Bukele. Non. Ok, c'est là, lui en français. Ok, moi, ça va faire. Très bien. Pas inquiété. Pas inquiété, non. Je vais prendre le bonheur, Jean Kelia, parce que moi qui problème qui gagne. Je vais le géo, parce qu'il faut peut-être prendre d'elle dans la langue qui est plus facile pour que vous compreniez. Président Nayib Bukele, président San Salvador. L'Assemblée ouais, va maintenant entendre une allocution de son Excellence Nayib Armando Bukele, président de la République d'El Salvador. Salvador. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Très bien. Señor Presidente de la Asamblea. Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des délégations qui sont parmi nous aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, lorsque je me suis rendue pour la première fois à l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2019, je sais que nombre d'entre vous ne connaissaient pas El Salvador, peut-être n'en aviez-vous jamais entendu parler. Ou alors si... Il connaît que il y a un pile dans nous là qui ne connaît pas Salvador et nous pas même temps de parler de Salvador. Et si gagnant nous qui t'a parlé de Salvador, n'a pas de un pays qui a une mauvaise réputation, réputation criminelle, assassin, toute qualité bagaille. On nous prend bien parce que moi-même dis nous ça très bien. Monsieur, son équitrace son exemple. Et ça que fait toujours dire, on prend monsieur comme véritable exemple, ça que fait ça. L'homme qui a combattu gang dans pays Salvador, le Haut-Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies a sorti un rapport pour dire comme ça que monsieur a violé les droits de l'homme. Et comment les États-Unis d'Amérique,
droit de l'homme passe par là à travers le monde là a dit que monsieur file droit monde ça passe monsieur fise gang monsieur vide gang à terre monsieur regardez non monsieur prend zorelli il met là bas plat piel et puis monsieur frappé et beaucoup ça qui passé même pays qui t'a critiqué monsieur comme quoi que monsieur violé droit monde non mais c'est pays ça aujourd'hui hein cap bat bravo pour monsieur monsieur j'ai l'heure monsieur dans les Nations Unies année passée en 2023 là monsieur prend dans salle là seulement salle là craqué ça avec bravo ça l'a craqué à bravo comprenez moi c'est même quand chercher discours monsieur et tant que ça passe en dedans de ça le temps pour moi c'est m'ta jeune l'autre là pour nous en dedans de ça avec un peu l'intérêt m'a de nous attendez ça l'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son excellence Nayib Armando Bukele président de la République d'El Salvador. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Señor presidente de la Asamblea. Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des délégations qui sont parmi nous aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, lorsque je me suis rendue pour la première fois à l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2019, je sais que nombre d'entre vous ne connaissaient pas El Salvador, peut-être n'en aviez-vous jamais entendu parler. Ou alors, si vous connaissiez mon pays, c'était pour sa mauvaise réputation, pays le plus violent du monde, ou le pays des bandes. Pour les autres, ils ne savaient même pas situer mon pays sur une carte. Mais grâce à Dieu, la situation a considérablement changé. En un laps de temps très court, 5 années plus tard, après mon premier discours, je suis ici en tant que président d'un pays qui a voix au chapitre dans le monde. Lors de mes précédentes allocutions devant l'Assemblée générale, j'ai évoqué la quête d'indépendance de notre pays. Des décennies durant, nous avons vécu les conséquences d'une guerre civile importée. Par la suite, nous avons connu une paix fausse qui a fait plus de morts que la guerre elle-même. J'ai parlé de l'importance de ne pas oublier que la responsabilité première des gouvernements, elle doit la rendre vis-à-vis de son peuple, tout comme nous devrions prendre notre destin entre nos mains. Nous avons été naïfs de croire que d'autres pays allaient nous sauver ou que d'autres nations nous offriraient notre liberté par bonté. Il nous a fallu le comprendre pour avoir ensuite le courage de briser nos propres chaînes et d'exiger notre droit légitime à la liberté. Ces 5 dernières années, El Salvador a retrouvé la vie. Nous avons rendu les rues à nos populations, nous avons créé une industrie touristique florissante, avons accueilli des événements sportifs et de loisirs de premier plan au monde. À des milliers de Salvadoriens qui ont fui la guerre et la pauvreté, nous leur avons rendu un pays vers lequel revenir. Nous avons fait de notre nation, qui avait été jadis la capitale mondiale des homicides, le pays le plus sûr de tout l'hémisphère occidental. Nous avons relevé le plus grand des défis. Bien qu'il nous reste encore un long chemin à parcourir et de nombreux objectifs à atteindre, nous approchons de l'indépendance et de la liberté pleine et entière. La transformation d'El Salvador est sans comparaison. Nos succès est incomparable. Vous pourrez venir dans mon pays et le voir de vos yeux. Les Salvadoriens, indépendamment de pour qui ils ont voté, indépendamment de leur origine, de ce qu'ils possèdent, peu importe qu'ils soient dans le pays ou à l'extérieur, ils se sont unis pour travailler, pour appuyer chacune des décisions que nous avons prises, chacune des décisions qui ont permis à notre pays d'être un pays où les gens peuvent vivre dans la paix et heureux, où les aspirations spirituelles, par-delà des aspirations matérielles, dépassent tout ce que nous connaissons. Aujourd'hui, le monde prend l'exemple d'El Salvador et se demande comment une nation a pu se relever en si peu de temps. Mais peut-être, telle n'est pas la question qu'il faudrait poser. Peut-être faudrait-il se poser une autre question. Comment se fait-il que le monde soit en train de
chuter aussi rapidement. On dit souvent que El Salvador va à contre-courant. El Salvador est devenu plus sûr alors que le monde est devenu plus dangereux. Le peuple d'El Salvador est devenu plus optimiste alors que la majorité des populations dans le monde actuel est de plus en plus pessimiste. Oui, c'est vrai. Le monde est divisé, déprimé, préoccupé, hostile, dénué de tout espoir. Et ces changements ont eu lieu à une vitesse sans précédent. Aujourd'hui, le monde libre n'est plus libre. Je n'exagère pas. De manière tragique, nous savons chaque jour que cette décadence est là. Ces nouvelles menaces de guerre sont là. Lorsque le monde libre est devenu libre, c'était grâce au principe de la liberté d'expression, d'égalité devant la loi, d'unité, de respect de la propriété privée. Mais une fois qu'une nation renonce aux principes même qui font qu'elle est libre, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle perde totalement sa liberté. Les conséquences, nous les constatons, nous, de visu. Nous le voyons dans certaines villes du monde développé. On doit s'enfermer à clé pour éviter d'être volé. Je ne parle pas d'être volé de biens précieux, hein, ça peut être une barre de chocolat. Dans d'autres villes, les rues n'appartiennent plus aux habitants. Elles sont tombées entre les mains de la criminalité organisée, des trafiquants de drogue, des bandes. On ne peut pas récupérer le titre de monde libre si ta population ne peut même pas se promener dans la rue sans avoir peur d'être assassinée ou volée. Nous voyons aussi, jour après jour, l'érosion de la liberté d'expression. Il y a à peine 10 ans, l'Occident était le bastion de la liberté d'expression. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les réseaux sociaux les plus grands se voient obligés de censurer à la demande de leur pays. Des citoyens de pays occidentaux sont arrêtés pour avoir partagé de l'information. On interdit à l'opposition politique de s'exprimer. Il ne s'agit pas là de théories du complot, d'accusations gratuites. Non, ces faits ont été avérés, documentés. On ne peut pas gagner le respect du peuple si l'on ne respecte pas le peuple. Et cela ne date pas d'hier, mais nous le constatons plus aujourd'hui ces derniers. Dans tout ça qu'a dit là, t'en as pas lui? Qui attire attention. Ou pas qu'a gain respect peuple, sous pas respecter peuple. Est-ce que d'accord avec? Est-ce que vous pensez que m'étais capable venir là pour venir parler de Gary Conille? N'importe qui gens. Non, si Gary Conille était respecté peuple moyen. Si Gary Conille était respecté tête li. Sous pas respecter peuple, peuple pas qu'a respecter ou pas respecter peuple moyen que m'a parlé pour lien, m'bagay doit venir là pour parler pour gain respect pour. Si monsieur ça qui soit disant peut-être payant illégalement te respecter tête yo te respecter peuple là m'pa ta kavin là parler n'importe qui gens pour yo m'd'a dit comme ça que n'importe qui gens mal la gueta fait déjà et ben par le fait que mal l'en fait et ben bon façon pour que moins les gars comporter yo là quelque part absouti dans mal là pour aller vers bien et ben nous passer de mal avec combien quelque part m'd'a bien respect pour yo mais l'homme ouais c'est normal là de mal en pire comme si c'est comme ça la pied non m'pa ka gain respect pour en autant fin tande président Nayib Bukele moi regrette tout il était supposé aller New York mais qu'il m'pa ta parler dans les Nations Unies parce que espace là sensible pour le moment on pas aller parce faut que tu as fait partie de une délégation pour ta rentrer dans espace ça pas bon petit périmètre et l'autre bon en bas ça non il est extrêmement sensible parce qu'il y a des personnalités qui extrêmement sensible qui dans zone ça et c'est secret service qui a suivi mon yo ça veut dire que ou même pour dans l'autre bon ça ou ca New York oui ou ca aller Times Square ou capable aller dans zone ça mais pour prendre hôtel dans zone ça tout papa faut que bail l'amour faut que bail l'amour et de toute façon si me demander et ils amènent nous supporter ça ou ta bagarre mais nous pas préparer pour ça nous pas gain ça dans l'esprit nous tout nous pas faire et bon nous t'a tout New York tout t'a tout fêter New York nous fini comprends moi nous t'a tout célébrer New York nous fini c'est ça on avance. Dernières années, le phénomène s'est accéléré. Cette accélération signifie que nous nous approchons d'un point d'inflexion des plus sombres. Nous sommes ici face à une nouvelle ère d'obscurité pour l'humanité. En tant que Salvadoriens, nous sommes conscients de ces symptômes de décadence parce que nous avons vécu cette situation. Nous avons vécu toutes les étapes de la chute de notre nation, l'une après l'autre. Aujourd'hui, nous constatons une fois encore ces mêmes étapes, mais à l'échelle mondiale. Nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas dire aux autres pays ce qu'ils doivent faire. Chaque pays doit
prendre ses propres décisions, faire ce qu'il y a de mieux pour ces populations. Nous ne pouvons que vous mettre en garde de manière amicale, parce que nous avons vécu cette obscurité. Nous avons livré une bataille existentielle. Nous ne pouvons pas changer le cours des choses. El Salvador est un trop petit pays. Nous sommes le plus petit pays de tout le continent américain. Et ce phénomène est plus grand que nous, plus grand que toute autre nation. Nous ne pouvons pas prévenir cette obscurité qui avance. Mais ce que nous pouvons faire, c'est être un petit refuge face à la tempête qui approche et nourrir l'espoir. À El Salvador, nous ne jetons pas en prison l'opposition, nous ne censurons pas les opinions, nous ne confisquons pas les biens de ceux qui pensent différemment de nous, nous n'arrêtons pas les personnes parce qu'elles se sont exprimées. La liberté d'expression à El Salvador et la propriété privée sont toujours protégées. À El Salvador, nous avons renforcé la sécurité des citoyens honnêtes. On nous dit qu'on a jeté en prison des milliers de personnes, mais nous avons libéré des millions d'autres. Ce sont les bonnes personnes qui vivent libres aujourd'hui, sans peur, dans la liberté, avec leurs droits respectés. Nous voulons que notre population prospère. C'est la raison pour laquelle nous encourageons l'innovation et les nouvelles idées, la créativité. Nous avons besoin de sécurité, de liberté pour que la créativité prospère. Nous devons pouvoir tester, expérimenter, non pas étrangler l'entrepreneuriat par peur du changement ou à grand renfort de législation. Nous avons trouvé le moyen de nous développer au plan technologique, de la finance, de la médecine, des arts, de la culture, de la musique ou de l'architecture. Il y a quelques années, El Salvador était un des pays les plus sombres de la planète. Mais en l'espace de peu de temps, notre pays a réussi à renaître de ses cendres. Parce que nous avons compris que la liberté se prend, elle ne se donne pas, elle ne s'offre pas. Et nous devons la nourrir, la préserver, comme toute forme de vie. Aujourd'hui, El Salvador est un pays sûr, progresse, innove, c'est un pays sûr pour les familles, pour les individus. Dans ce nouveau pays d'El Salvador, chacun a sa place. Voilà, et merci pour patience, non. Parce que nous attendons extrait ça dans l'intervention et président Nayib Bukele, qui est président du pays Salvador. Pour moi-même, parce que c'est toujours important pour nous. Parce que ça fait nous toujours focus, ou bien à parler de Salvador, Nayib Bukele. C'est parce que, monsieur, c'est un pays que l'été arrivé président là-dedans, qui sont pays qui ont une réputation tête chargée. Ça veut dire que regardé Haïti, il n'y a pas rien devant ça que tu as dans le pays Salvador. Et ça que tu as dans le pays Salvador, il y a environ 50 années depuis comme ça. C'était violence extrême. Ça veut dire qu'elle est venue rentrer dans le quotidien peuple salvadorien. Ça veut dire que moun yo te vive avec violence là et comme si nan djouba ki vin normal. Moun yo konnen ki yo ka leve nan la rue, yo ka leve jodi an la, gang nan ka vin la kayo, le viole petit yo, le tuer yo et fini comme si ça passait comme il était dans la poste. Parce que sénateur gang, député gang, homme d'affaires gang, président gang, ministre gang, juge gang, tout moun gang nan, li vin rentrer dans toute famille salvadorien. Eh ben monsieur son césarienne, monsieur fait. Eh bien, monsieur, retirez petite là. T'as n'importe qui maman, qui façon. Et monsieur sauvez maman. OK? Monsieur sauvez maman. Petite là perdu, et monsieur sauvez maman. OK? Petite là perdu, et monsieur sauvez maman. Maman a produit l'autre petite. Monsieur sauvez Salvador. Et le monde entier, ben, monsieur respect. Je dis, hein, mon qui a plus cop dans le monde là, chute avec monsieur pour regarder comment là a monté business de bois pour l'investir des milliards de dollars américains dans le pays Salvador. Elon Musk. Son décision d'État. Son décision politique que monsieur prend pour le faire Salvador, ça que lui, je dis. Tout le monde a même visité Salvador quand il m'a parlé là. Mon jeune garçon qui fait, c'est pas magie, non? Mais c'est un véritable engagement. Je dis, ça que fait, nous avons une autorité campée. Qui pour prendre décision pour parler comme ça en Haïti. Parce que yon en volant. Parce que nek yé de rive chef la son volant. Yon peur pour yon bagade dans yon. Yon peur. Pour que nek sa, yon va jeter yon au pouvoir. Et ça qui cause ou regard koni. Plus en mesure pour qu'il ba nou mentor. Au lieu que lui-même, li et fait exactement ça qu'il doit faire. Gare koni a ba nou menti. Mais pour le protéger pas sérieux blou fè yon. Nous comprenons très bien. Et monsieur koni. Nous comprenons très bien.
Mais me garantis ou, pays ça, j'en ai au foot à yel de la del nan. Pas gagne yen di. Ou pas karete konso pa kamet zago nan pays. Pas gagne yen di ça. Ou am konne. Ou am konne kout de l'eau passe, li rentre nan bois joumon. Ou am jom konne. Parce que ça kap passe là, li inacceptable. Et me kwe que, doué gen de réponse ki bay. Et nous va acquitter, de bleu zel ap continue toujours, ne gap ba nou menti, ne gap bluffe nou, ne gap fait tout kalite bagay pou nap tole. Non. Il va nous pas tolérer toujours. Il y a des bagages qui ne peuvent pas continuer et nous devons stopper en dans le pays. C'est très intéressant pour nous, pour que nous stopper en dans le pays. Prends engagement, nous, prends responsabilité nous comme peuple, parce que ça qui a passé là, nous ne pas accepter, nous ne pouvons pas tolérer et ça doit suspendre en dans le pays. Il faut que nous prenions engagement pour que les gens de bagages ne peuvent pas continuer. Et bien justement, en dans le pays, peuple haïtien. Prends responsabilité, prends engagement pour que ça ne vraiment, vraiment pas continuer en dans le pays. En avance. Luis Abinadel pour le voyer soldat dominicain dans la Coupe d'Haïti. C'est ça que président et président pays Kenya dit, qui c'est William Ruto. Bon, sauf ça me connaît Abinadel Goumapil pour qu'il fait Haïti pour l'aider Haïti à revenir à l'état qu'il devait là. Mais c'est pas Abinadel qui est responsable. C'est Haïtien qui est responsable. Est-ce que c'est Abinadel moins doué à le critiquer? Non. Je ne vais pas critiquer Abinadel. Je vais critiquer sans avec que je gagne dans le pays d'Haïti. Je ne dois parler avec Ravet Sayo, gang sale Sayo, méchant Sayo, que nous gagnons dans le pays. Parce que Sayo, pas gagner un de pays que nous avons réglé là, et nous ne pouvons pas quitter et continuer à prendre dans le visage nous toujours comme peuple. Parce que l'IPA tolé, nous ne pouvons pas accepter Sayo. Il y a un pays qui a un peuple qui respecte tête li, et nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas tolérer. Et Sayo, nous devons couper fâché avec eux. Parce que ça qui a passé là, nous ne voulons pas tolérer ça. OK? Nous ne pas trop de temps. Voilà. Pascal, sous monté là, nous gagnons seulement 20 minutes. Seulement 20 minutes pour nous monter, pour nous faire parler avec le public là. Bam tout recevoir dans 20 minutes pour nous faire intervention. Et que nous avons couru monter tout à l'heure. Et nous avons fait intervention dans 20 minutes là, ça quoi dit avec le public là. Et dans 20 minutes, nous avons fait. Et puis par la suite, pour nous tourner pour deuxième édition. Comment nous refrons? Retirez sous mute. Et retirez sous mute, Pascal. Soit t'as de nous. Pascal, ou soumyot, sou ap tande nou. Et voilà. Ou tande nou là. Et communication ap coupé, l'ap coupé, refait appel là. Refait appel là, Pascal. Communication ap coupé, nou pral kouri wè sin d'apran, Pascal. Et pendant 20 minutes seulement, pour nou ta kouri pran Pascal, parce que nou pa arrêté trop temps là. Et pendant environ 20 minutes, pour nou ta gagne Pascal. Et nous prenons, si nous avons fait contact avec Pascal. Et puis en Haïti, et Pascal a une intervention qu'elle t'a fait pour nous connaître qui ça, Pascal a dans Djakoutli. Et pendant environ 20 minutes, mais il y a un pile acteur politique nous connaît qui fait partie du système, qui parle, qui peut-être est intéressant pour une fois, mais c'est dans la deuxième édition. Nous prenons, si nous avons partagé ensemble avec vous. Malheureusement, contact avec Pascal, elle est pas facile parce que problème internet dans le pays d'Haïti, son casquette chinois que lié, son barret tête chargée, et problème internet là. Et Luis Abinadel fait intervention dans les Nations Unies, talé comme ça, n'a pas pu entendre, talé comme ça, parce que c'est très, très intéressant pour nous attendre l'intervention Luis Abinadel, qui est président de la République dominicaine. Nous pas qu'à joindre Pascal parce que tout simplement Pascal a pris le nom en même temps que nous a pris le Pascal tout. Mais t'as semblé que n'a pas obligé quitter Pascal pour deuxième édition Infobeto pour journée 25 septembre 2024. L'an. Voilà. Pascal, est-ce qu'on est avec nous là? Comment nous y est? Où t'as nous? Moi t'as là. Voilà. Nous avons environ 20 minutes, nous pas qu'à faire plus. En avance, Pascal, comment nous y est? Bon, nous là, on a fait résistance et nous profiter saluer tous tes amis internautes. Bon. Et mal pour on continue à aviler pays. Continue à aviler pays. Parce que là, on a regardé comportement nèg sa yo. Et ça, on continue à faire. Non, j'ai le monde. Mon cher, c'est des bagailles qui te doivent révolter. Chaque grain haïtien, n'importe qui côté vive
et sous planète. Très bien. Oui. Parce que ça n'est pas fait là, bagay ça c'est des bagay qui nous sous ces haïtiens faut que dérange. Parce que j'en ai qui a drivé tête yo et j'en ai qui montré yo et niveau resta avec yo chou là. Vous regardez et nèg yo bon gens comporté yo et face avec international là nèg yo montre y a boumé entre yo ou al sous tribune l'ONU ou al fait qui ça c'est question ça nous vous poser qui ça va régler et sous tribune l'ONU rencontre que nèg yo a qu'al fait avec des diplomates, des chefs d'État. Mais qui ça bagaille ça ou quoi le côté au pays? Rien. Bon, il y a habitué à chita, qui ça? À qui ça j'aime venir au pays? Bon, ni bon côté et bouger à deux. Et il est toujours allé dans une rencontre et diplomatique. L'elle vient, il va venir avec rien. Rien. Il va venir avec rien au pays. Bon, on garde Edgar Leblanc qui va aller sous et tribune l'ONU là. Bon, qui ça qui ça le va régler? Il va le bail menti. Jean Tabis Eiffel, il va le dire, bagay yo commence à pas améliorer. Et pendant tout le monde, ouais, et bagay yo, c'est compliqué. Yo fin plus compliqué. Parce que son groupe nèg, qui pas gagné pour être avec le pays. Et solution, il pas nan men l'autre monde. Solution, c'est nan men peuple haïtien qui li. L'organe, nèg yo Jean y a fait la bagay yo là parce que son groupe nèg et capable d'ou ka bien passé dans moment et l'orga des visages yo et c'est un coupé il y a pas aucun problème parce que faut, si vraiment c'est des monde qui te gain souci pays dans tête yo Jean ouais offre là pas faire comme ça non parce que pour la situation et non c'est parce que c'est des monde qui pas gagné ouais avec pays yo jwenn un espace là et puis yo contenté yo et puis y a beauté l'argent et puis y a avili et population mais bon bagay moi ouais bon côté et haïtien les bon chef d'état un pays qui dit un bagay qu'il pas doit dire et haïtien ou bien n'importe qui étranger moi ouais. Nous avons toujours une tendance pour avoir les pieds. Mais, vous question à me poser, qui s'accède étranger à Joudial par respecter? C'est ça, oui. C'est une question à me poser. Par exemple, les Abinadel posent une action, ou bien et Donald Trump dans bagay, ou les gens prennent tout haïtien. Mais, les vaca bon pas bon ici, et drivé devant l'étranger, les nous capables de dire, il y a humilié pays, moi ouais ça pas tellement dérangé yo parce que gen de bay nèg yo fait là ouais tout nèg calé et la kay tonton Sam sa yo yo tout te doit fermer yo ah yo de yo, oui. Ou di même bagay avec moi ou di même non, bagay avec c'est des moun qui te doit tout était la kay met yo et c'est pas appel avec nèg exam qui va bloquer nèg non c'est population qui doit prendre responsabilité pour ta bloquer nèg ça pour trouver tes côté ou ya parce que yo pas travail pour pays c'est pour mettre yo travail ben yo met tout rete la caille mettre yo et puis peuple a récupérer pouvoir et puis pour l'autre équipe monde qui prend tête pays et pour régler cette situation parce que on garde jodi là et dans quelques jours encore là c'est pour réouvrir l'école mais bientôt les moi-même moi marché et dans zone métropolitaine Port-au-Prince moi pas ouais aucune condition remplie pour l'école ouvrir et cet octobre qu'a venu là ouais ouais ça non moi même pas ouais li et le regarder premièrement et zone métropolitaine Port-au-Prince sale et est en coup peinti dans et la question sécurité et pas qu'il n'y a aucun monde qui a confiance. Je dis à l'aile sautée là, qu'elle a pris. Non, pas qu'il y a aucun monde qui garantit. À qui garantit ça?
à qui garantit. Mais ou bah oui, pas bien soit dit, pas bien soit dit, gars connait du bagaille. Et ou même qui Delma Pétionville, Haïti bon tout ça. Gars connait dit dans micro Valerio Celui, dans VOA créole. Il dit qu'on y a haïtien qui Pétionville capable descendre Delma comme si Jean Ovlé. Il cas descendre bas Delma. Il dit monde capable circuler sous Delma le soir Jean Ovlé. Pascal, faut tu pas monsieur réponse pour moi parce que ou a vivre Haïti. Ou dans la réalité, moi, peut-être que mon cas dit que je suis c'est diable, dis-moi, mais parle avec monsieur pour moi, t'as pris. Non, bon, Beto, c'est ça m'a parlé là. Je me dis pas de aucune garantie qu'on parent a voué Timoun l'école dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Je me parle des zones métropolitaines Port-au-Prince. Ligue Delma, Ligue Pétionville là-dedans. Bon, et bon, nous commençons à semaine, qui sa nouvelle là c'était deux policiers assassinés Delma 19 août. Aïe. Deux policiers. Deux policiers. Et nèg exam à bord yon anti-autobus et ouvri coup de zam sous policier. Et c'était un autobus et suspect. Qu'on a nèg yon ap rapousiv et autobus là. Et depuis dans zone et Delma 32-33 yon. Eh bien, les autobus là arrivé dans Delma 19 et bien nèg qui était examen bord autobus là yo vri coup de balle sur policier. Bon, on regarde les monsieur parler de moun ka descend libé et sous Delma. Mais qui ça le te fait même? Bon, c'est qui ça le fait pour moun te descend? Bon, là regarde jodi à la Jean pays a ceinturé là. Bon, on regarde dans bilan monsieur. Les monsieur dit moun ka circuler libé. Bon, pendant arrivé là c'est plus territoire qui livre, oui. En gade. Gressier, c'est sous gouvernance, monsieur, il livre, oui, avec Nega Sapatou. Avec Nega Sapatou, justement. Gantier. Et c'est sous gouvernance et Ariel, oui. Et Wakoni. Sous Wakoni et Gantier livré. Et Kabaret là tout. C'est sous Wakoni, oui. Gariba Haïti, oui. C'est ça, oui. Bon, là, monsieur dit, moun ka circule libé. Bon, Beto, ou est soulevé matin là, ou est jeudi et mercredi là, l'ou ap gade ou est la rue Port-au-Prince, ou est c'est en cours son espace et que moun yo peut fréquenter. Parce que l'ou ap gade même si circulation machine de des zones et qui paraît très fluide et côté joindre blocus yo c'est côté machine à passer puis on pas fréquenter des zones côté et les examens contrôlés c'est ça faut joindre blocus mais regardez espace pour regarder là espace ça yo l'op et c'est espace qui est abandonné donc même je te dis la vie commence à retourner et dans environnement champ de masse et les regarder et pas aucune activité dans zone Chanmas et son zone qui habite gagner activité commerciale et l'on prend Delma et bien qui côté toute activité concentré mais c'est pas et sentiment yo senti en sécurité côté yo ya non mais limite là c'est qu'à foire au collier et oui qu'à foire au pas monsieur dit monde capable circuler sous Delma sans problème et bouger normalement non, sans problème. Non, qui ça le fait et pour te permettre de moun circuler libé sur Delma. Parce que même moun jodi a là qui rete Delma, qui rete Pétionville là, c'est des moun qui rete très vigilants, avait oui, il y avait en haut en bas oui. Bon, si moun te ka circuler libé dans zone ça yo, moun yo pa ta obligé chaque rue, il met un gros barrière. Très bien. Chaque rentrée, oui. Bon, si vous avez vraiment garanti, vous avez senti en sécurité, il va faire ça. Il va faire tout bien ça. Ça, mon gros, non, il va faire la question à monter barrière. Alors, il va et toute zone là, zone Christo, Delma 32. Eh bien, chaque corridor réel qu'on rejoint, eh bien, c'est un barrière qui vous mettez là-dedans. Oui. Et vous l'avez pour le faire, et vous l'avez pour ouvrir. Oui. Ça veut dire moun yo obligé mettre tête yo et construit propre prison yo mettre tête yo. Bon, on regarde les monsieur dit et moun ka circuler libé et sous Delma. Mais qui côté Delma commencer et qui côté le fini?
est-ce que c'est si qui vote qui c'est ça la bande est-ce que je dis alors de qui Delma a parlé tout de qui Delma qui l'a parlé je dis là parce que regardez moi mis c'est bail un bilan 100 jours là c'est incapable de bilan ça c'est un insulte même qui vous a insulté population dans salmé et dans bilan yo moi dou et la population lui même beaucoup côté par yo il a gardé bilan et 100 jours et koni là et bien yo wè son son bilan pas grand rien fait et bien je ne te dis là pendant 100 jours c'est territoire qui continue livrer nous est Grissier et Gantier et Cabaret et pendant 100 jours là tout et faut le mettre ça dans bilan là li crasé et CN2 oui, et pour venger tête li et bien toujours dans bilan 100 jours là li nommé et des corrompus et dans cabinet et tant que Nesmi Maniga avec l'autre petit tonton et qui était ministre justice sous privé et Camille Edouard Junior oui Camille Edouard Junior c'est ça oui et qui ça qui vient dans bilan 100 jours là et policiers assassinés moun la population civile assassiné et kidnappé bon jusqu'à présent est-ce que tout le monde va voir vidéo et moun qui ont kidnappé a vidé et graisse et plastique sous yo et qui ça y en a bilan et 100 jours là route nationale a toujours été bloquée côté moun yo obligé à passer sous la main avec un pile risque et les moun ça passe sous la main gè des fois et tu vois aller ça qu'on couler et puis moun yo disparaît. Eh bien, dans le bilan et 100 jours là, c'est pété goumé entre volo qui dans CP et pareil pour question et distribution poste. C'est ça oui bien dans bilan là. Et plus grand goût en dans pays parce que bon mise en dans pays là. Côté moun yo pa c'est pas la fin encore non c'est famine qui commence bien dans pays d'Haïti là non ça il faut je pense parce que non c'est famine et l'on va regarder et bâtiment scolaire yo et moun qui déplace yo toujours là dedans yo à vivre dans des conditions infrahumaines dans conditions que bête pas doit vivre c'est ça oui. Et puis ouais, et nèg la ouvre école et puis li dou et moun et telle zone et moun ka commencé circuler et libérer. Mais c'est pas ça que population a besoin. Et non mais et Gary Haïti non. C'est besoin population yo besoin premièrement pour tout grand action oui et pour tout moun ka commencé vaquer libérer avec et occupation yo. Sans ou pas peur les a sorti. Et pour dire est-ce que vous avez rentré bon pour sous question réouverture l'école là bon on parle qui peut le voir un petit mon école avec un pile de risque oui mais comme moi et grand pile l'école qui pas respecté ça et soi-disant ministre éducation nationale l'a dit à côté de dire réouverture l'école là c'est pour toute l'école la fête et 7 octobre mais l'école qu'on organise yo Il y a déjà l'ouïe pour toi, Mais si vous ne savez l'école déjà là, et ça qui vient pour l'école, yo, ça fait qu'un pile de souillé tout. Parce que. Ah, mais la grave, Michel, c'est ça. Parce que l'on voit un petit monde l'école. Bon, si c'est yon qui n'a pas balage et bas âge, qui a l'école, c'est ou calmen elle. Laisse ça, si yon, on l'obé qui pète, li va nan mais. Et les sentiments que ou bal kòb machine ou ben kòb moto pour l'école en puis pendant la caillou en pourtant des réseaux sociaux annoncer telle zone gon l'obé qui pété comment parent ça va le vivre moi même c'est question ça m'a posé qui gens on parent pral voyon ti moun l'école pour jan bagay la yi la ni sous plan sécurité ni sous question et socio-économique yo. Parce que ou pas wè aucune activité dans zone métropolitaine pour tout instant qui montre qu'il y a ouverture l'école et 7 octobre qu'a vite là ou pas wè ça figure la rien va montrer ça
Ouais, mon, attendez, non. Non, il va. Il n'y a pas mon pour ça. Pourquoi ça te gave, là? Regardez qu'on dit mon calme sur le masque. Parce que, parce que nous-mêmes, nous faisons toute zone métropolitaine pour tout ça. Parce que, l'eau. Vous avez dit mon calme sur le masque, j'ai ouvert mon calme la ville, j'ai ouvert le gounia. Ça, regardez qu'on dit. Non, la ville, bon, la ville, là, c'est une zone qui est abandonnée. C'est la police avec l'armée et Capgoumé avec. Avec et mais ensemble si ça dans la ville là oui marchand pas fréquenter espace ça ou non mais on regarde dans question et me capable dire infrastructure route question propreté nous souffrons coup de pied pour arriver sur route Maïga et Maïga pia ou pas ta comprendre qui est qui a dirigé le pays là prend et Kafou Klessine là rivé pour prendre route tabac nous bagay yo grave. Yo grave. Et moi-même, moi dou et ça n'a vive là. Moi-même me pose cette question, qui ça t'empêcher je dis à peuple là et révolté. Parce que moun qui fait changement, c'est moun qui révolté, frustré et indigné. Mais est-ce que je dis à population pourquoi assez révolté et assez frustré et indigné et pour une révolte qui fait contre et mal fait que ça va pas bon ici parce que ben là oui parce que je dis à la game dans pays là qui a fait 2-3 jours et pas joindre rien puis maintenant bouche non ou est ça pas dit autorité pas bon ici rien du tout et tout autant bagarre arrêté Jean ouais les gars qui étaient là c'est tout autant et ça violence qui a augmenté sur terrain. Et c'est ça qui augmente l'armée des gars sapatio. Parce que pardon, il y a que fait, je dis, pour gagner une amélioration et pour la population. Et c'est pour la population. Il y a un peu de temps pour le banon menti, et puis il est prêt pour le protéger l'intérêt ou les gars corrompus. Vous ne pouvez pas déranger, on n'a rien. Vous ne pouvez pas décider de déranger, on n'a rien du tout. Mais c'est nous qui avons sous parole. Mais qui est-ce qui vous y est et Gary Kony là? C'est mettre oligarchie. Parce que Gary Kony, c'est son robot programme lié. Et qui vient faire l'obéi. Son robot programme qui vient faire l'obéi là. Parce que décision qu'elle a prend là, c'est décision qui met l'imandé pour le point. Et les mettre l'imandé. Et sous-tend de mettre yon côté là, li pa ka et capable di programmation quand dans li pa ka appliquer. Même mettre li a chercher une façon la pou mete li encore. Et c'est ça, moi même pas vle rentrer dans logique pour se mettre nèg yo k'ap mete yo dehors. Et bon côté la mafia, bon côté la mafia nationale ou internationale, yo toujours bat pour se yo et ki mete choul yo dehors. Ki mete choul yo dehors. Depuis cette population qui mettait choul sa audi à travers un soulèvement populaire, et n'a pas commencé à une solution avec le problème pays. Voilà. Pascal n'a pas fini là, n'a pas tourné. Et c'est ça à éviter. Mm-hmm. Et nous-mêmes, nous devons continuer le travail de sensibilisation. Parce que dans ça, les populations et audi à là, pas qu'à gagner jouet là-dedans. Et personne, moun, qui est capable de dire qui sont humanistes, pas capable de tolérer, eh bien, c'est un appel à la mobilisation et le peuple a dû prendre la rue, utiliser tout ça au gars à disposition pour défendre tête. Parce que le moment, il m'a dit, et pour la population, pas suspendre le camp et garder. Parce que si, pas dans rien que fait beaucoup de population pour craser et complot ça, pitre à pitrice, et moi-même, moi peur pour bon là pour pas dire c'est bon peuple qui t'a bouté qui t'est habité et sous bouté ça et c'est projet et politiciens traditionnels d'Adokaleo projet oligarchie et projet occident très bien c'est comment exterminer nous-mêmes comme peuple et c'est ça fait moi dit moun k'a parler jodi a nous pas cap dans question et tant pour son société qui normal son société et côté gain démocratie côté gain droit monde non. Et la formule de Dessalines, je dis à l'heure Pascal. La formule, m'a tout conclu là, Beto. La formule de Dessalines, les deux mises. Et pour la mafia, je dis à continuer pour ce pays, hein, qui n'est autre, et c'est
marcher sur vous parce que les Dessalines te dit couper tête boule kay là c'est contexte à te demander contexte et je dis contexte à mandou bagay oui contexte à mandou bagay tout il mandé ça encore et les amis amis internautes yo et nous même n'a continuer rendez-vous là c'est pour tout à l'heure évolution bagay yo et n'a continuer sillonner les zones métropolitaines Port-au-Prince pour regarder qui gens bagay yo et pour informer les amis internautes yo parce que nous c'est jeu avec oreille et pas bon ici. Merci en pile. Voilà, ensemble avec nous, c'était Pascal. Depuis en Haïti, nous t'avons fait parler sous situation qui a développé en dedans pays à peu haïtien. Quant à pour nous-mêmes, nous avons tourné tout à l'heure comme ça pour notre édition sur plateforme Panorama, sur plateforme YouTube, InfoBeto. Kembe la balague, moi-même en pile.